Amis terriens, bonjour. C'est les vacances, c'est le soleil. Non, c'est pas vrai. C'est l'éclipse, souvenez-vous. Le 11 août 1999, c'était la dernière fois en France où on observait ce phénomène spectaculaire. Nous avons rendez-vous cette semaine, vendredi matin, avec l'éclipse partielle de soleil. Dans toute la France, le soleil sera occulté par la lune, un phénomène splendide, un phénomène toujours très original, et hormis l'aléa météo, eh bien, on pourra observer vers 10h30 du matin ce passage lié à la mécanique céleste, parce que, souvenez-vous, l'éclipse, c'est finalement trois corps alignés, le Soleil, la Lune et la Terre, au moment où la Lune passe dans le plan de l'orbite de notre propre planète. Ce phénomène où la Lune vient s'intercaler entre le Soleil et nous est lié à un curieux hasard. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais 400 fois plus proche. Donc elle peut cacher, couvrir complètement le disque solaire. Ce ne sera pas le cas en France. Il faudra aller du côté des îles Féroé ou de Svalbard, presqu'île de Spitsbergen, un peu au froid, pour suivre la totalité. Mais pour nous, l'éclipse sera spectaculaire, partielle. On verra la lumière du soleil diminuer, à condition, si on regarde directement, de se protéger les yeux avec des lunettes, des dispositifs certifiés conformes en tout cas, car cela peut être dangereux, ou de projeter finalement la lumière du disque solaire sur un carton ou un mur. Ce sera aussi le moment des forces conjuguées de la Lune et du Soleil qui provoqueront les grandes marées du siècle, un coefficient 118, 119 sur un 120 maximum. L'effet gravitationnel de ces deux corps qui ne se produit que tous les 18 ans et 11 jours, ce qu'on appelle la période de Saros, une très belle entrée en matière pour un lien et un baiser entre la Lune et le Soleil.